même avec la bouche bandée, comme si tu dirais, de temps en temps, tu manques un petit moque, un petit signe, soit il y a un problème au niveau des yeux. C'est parfois même un petit détail qui frappe la personne. Tu trouveras, ah ouais, c'est ça, on est trouvé. Mais il y a des fois, c'est oublié. Mais moi, mon travail, c'est mon besoin de faire ce temps de la situation-là, que pour ne pas tirer un détail avec ça. Et tu gagnes l'occasion, partage ton talent avec ben plus jeune que toi, ben du monde qui est intéressé, qui demande toi conseil. Dernièrement, tu as 50 ans d'anniversaire à John Kennedy, collège John Kennedy, alors je suis beaucoup John Kennedy. Moi, tu fais de la chouette portrait de John Kennedy au collège. Là, on gagne l'occasion, rencontre ben jeune, ben grande classe à Chelsea, le vrai qui parle compose pour. J'ai eu l'occasion de causer avec eux. J'ai eu l'occasion d'expliquer un peu mon travail, mon fait. Parce que j'ai trouvé un talent, ce qu'on fait pour autrui, qui est un prospect qui est dans le futur. Parce que l'or, pour vivre, le franc, pour vivre avec l'or, Maurice, c'est assez tough. Oui, oui. Right? C'est pas. Mais je suis capable de faire lire, je continue l'étude. Soit je continue de faire un autre, je suis un professeur autre, ou je continue comme ça par chance. Oui. Et là, je suis capable de. Sans moi, je suis jeune, pour m'expliquer comment l'or innément. De quelle façon l'or innément, un genre de thérapie pour moi. Et pour ça, c'est pendant 10 ans, disons, je vais dessiner, je vais faire portrait, je vais faire tableau. C'était juste pour m'occuper de mon garçon. Pour m'occuper de mon garçon qui est un autiste sévère. Oui. Un autiste sévère, c'est un enfant avec des troubles de comportement qui ont besoin de 24 ou 24 avec lui. Et je délaissais un peu la peinture, le dessin. Mais après, quand mon récit, mon gosson stabilisait un peu, mon récit à l'école pour Gately, là, mais toujours, c'est pas facile pour un père que ce gosson paraisse avec lui pour gérer la situation. Mais là, je trouvais à travers la peinture le dessin qui s'est servi comme une thérapie. Right? Et aux garçons aussi, les contents dessinés. Non, pareil. Comme c'est vrai, disons, comment vous dire, de la famille, puis la personne qui me suit, moi. Oui. Et juste ce qu'il m'a dit, c'est qu'il oh, y a grand-père, c'est qu'il me connaît, d'après mon enseignement. Il y a grand-père, il vient de Sochilen. Oui. C'est un architecte. Il dessine une peinture, un temple, un moule. Mais peut-être, sans cette génération, il vient de moi, vous pensez. Moi, j'ai une page sur Facebook que tu es artistique, que tu partages tout mon portrait que je fais. Ah oui. Right? Mon personne, je te trouve mon portrait, ben qui est sur Facebook. Et dernièrement, j'ai une surprise quand j'ai un message depuis une personne à l'extérieur. Ils font partie d'un groupe appelé Jam Rock. C'est un groupe reggae, un grand site reggae que tu regroupes ben Bobolis, mon garçon, Ziggy Molly, tout ça ensemble. Je n'avais même un petit message de demander la permission si tu vas chercher un portrait de Bob Marley comment tu fais. Monsieur Paul, je me disais, ok, il n'y a pas de problème. Je me disais, quand je finis, quand je suis chez Ali, envoie moi un link là pour me capable de connaître au moins. Et voilà, après deux jours, je envoie moi un link là quand je trouve mon portrait. Et je mets un badge Jam Rock, qui est un site assez, c'est un groupe assez important. Et mon signature, bien sûr, à droite. Et Bob Marley. Le racite là, que dans des jours, on a 2000 likes, qui voilà, assez national. Elle est nationale. Oui, c'était oui. une grande satisfaction. Une satisfaction pour moi, qui, au même pour très peu reconnaître Déo. En plus, deux jours de cela, j'ai fait un portrait d'un grand artiste indien, Amitabh Bachchan, qui tout le monde connaît. Bien sûr. Alors, j'ai travaillé ça dans une compétition l'an dernier, une compétition dessin, portrait. Ouais, c'est une université qui organise ça. Moi, là, voyez mon portrait. Moi, je dis, par contre, non, ils m'ont envoyé. Et après 2-3 mois ou 3 mois, j'ai gagné un petit message, j'en ai 8000 moi, et j'en envoie même un certificat, je montre, voilà, ton portrait est sélectionné, voilà, il faut partie de bonne finale, bonne finaliste, de bonne meilleure portrait au monde. Ah bon? Ouais, voilà, une satisfaction personnelle, bien sûr. Qui me travaille reconnaître, même des hauts, si je reconnais mon talent, c'est important. Ouais. Ici, malheureusement, dans Maurice, nous peut parfois moyen de comparer nous avec les autres, pour qui nous forcent, et quand nous avons le contact avec l'étranger, ça c'est important. Bien révélateur. Bien sûr. Quand je pensais mon portrait, quand il me compare avec
un des meilleurs artistes dans le monde. Oui. Il faut me porter avec un finaliste, je me satisfais. Je me dis, ok. Et vous gagnez, voilà. Henri, vous gagnez l'occasion, j'ai un appel les autres bandes artistes qui, par contre, faire portrait, mais. Et trois corps, bien sûr, etc. Mais trois corps, c'est comme une jeune, comme une cause, le dessin, la peinture, c'est déjà ma portrait, non. Nous pas avons, je suis tout la portrait. Trop difficile. Parce que je connais portrait, si, ou pas qu'elle en fait rire, c'est ça. Parce que la nature, si vous pouvez dessiner la nature, ou capable, vous pouvez dessiner un pied, ou pas mettre un bronze là-dedans. Personnellement, vous pouvez moquer. Oui, oui. Mais si vous faites un portrait, vous moquez un petit bout de détail dans le portrait là, c'est. Tu fais du monde avec des seules oreilles, du bon colère. Bien sûr, si vous faites des oreilles, au moins sortir un petit guide, les gars en colère, eh, moi j'aurais pas ça, on sait rien, tu les gars, ouais, un problème là. Voilà. C'est ça, je parle d'aventure, il me connaît peine beaucoup pour le traitiste de Maurice. Oui. C'est pas loin de vendre portrait, mais caricature. Ou qu'on fait, ou habitué faire, ou content faire. Caricature, c'est une lutte. C'est le contraire à ce qu'il m'a fait. Quelle différence? Alors, la différence, c'est que dans le portrait, je n'ai pas qu'un droit de déforme visage. Les bizarres ressemblaient à la photo. Mais avec la caricature, mon cas permet moi de forme, ben visage. C'est ça la beauté, caricature. Exagéré. C'est un détail caractéristique. Mais caricature, au moins, les bizarres ont un détail qui bizarre ressemblait à la personne. Pour connaître lui-même ça. Oh, c'était la personne. Là où tu formes un ben des autres détails, comme c'est la bouche, le menton. Mais je ne suis pas trop content de faire caricature. Je ne suis pas content d'y faire un visage à une personne. Ouais. Pour moi, c'est un respect. Moi, si je fais une personne, je me dessine lui. Pour moi, c'est contre moi. C'est contre mon nature si je dis un du monde ce visage. C'est un manque de respect pour moi. Ouais. Je ne suis pas contre ben caricaturiste. Mais ça, c'est notre métier, c'est notre travail. C'est l'or, un autre genre d'or, ça. Chacun sa nature. Chacun sa nature. Mais pour moi, je ne suis pas content de faire. Portrait, c'est portrait la personne. Voilà. Alors, comment vous direz-vous tout à l'heure là? Je compte un challenge et un défi. Donc, un des mes défis, c'était pour la fête de Diwali, pour un spectacle. Mais tu commences le spectacle par moi-même. Alors, ce que je tiens à faire, c'est que je tiens à faire un dessin, un upside-down painting dans 6 minutes, une chanson. Right? Il faudrait qu'après 6 minutes, ma chanson est finie, je termine mon dessin. Et personne ne connaît quel dessin je vais faire. C'était à l'envers, c'était à voilà là. C'est ça? Alors, quand on vient, on me montre la scène, on commence à peindre, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je vais dessiner pour toi, je vais peindre pour toi, je passe la peinture, je vais 6 minutes pour faire ça. Effectivement, après 6 minutes, quand on finit, quand la musique là finit, je finis à temps. Right? Je vais prendre comme ça, je vais aller. Voilà. C'était Niti Jogana. Et il était présent ce jour-là, il était derrière la scène. On appelle lui. Quand il est venu, il trouve ça, il est émotionné lui-même. Voilà. C'est un des moments de défi qui. Moi, j'ai envie de faire lire, moi, j'ai envie de montrer ça au public, je vais essayer de lire et je vais réussir. Harry, nous bien contents de l'entretien que tu fais avec les téléspectateurs mauriciens, parce que nous connaissons que dans nos pays et surtout dans la force policière, on a un excellent portraitiste hein, qui sûr. Travaille ce travail avec beaucoup de passion et ça respect pour les gens qui travaillent ou bien qui vous appellent dessiner. C'est un sujet qui fait touche nous particulièrement, hein, le respect des autres, c'est un joli bon, message. Bien sûr. Au nom de tous les téléspectateurs, je vous dis un grand merci. Merci vous-même, merci à tout le monde. Yeah.